Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Last of Us Part 1 sur PlayStation 5, un jeu choisi par Shadow 2009 que je remercie beaucoup. Merci Shadow. Et évidemment, je vous remercie à tous de suivre ce Let's Play. Merci pour votre fidélité. Ça fait toujours plaisir de voir que vous suivez mes vidéos. Ça fait hop, je charge la partie parce que la dernière fois malheureusement j'ai avancé d'un cran, il y a eu la scène qui s'est déclenchée et du coup bah, ça l'a fait sauter, mais comme j'avais une sauvegarde manuelle, ça voilà, au moins on s'arrête juste avant la scène. Alors c'était pas la scène du siècle là évidemment, mais bon, quitte à vous proposer un let's play, autant vous montrer comme vous le savez dans son intégralité et donc ne pas zapper. Tac, cette scène-là. Baisse-toi, baisse-toi. Il y en a d'autres. C'est bon. Je crois pas qu'il nous ait vus. Alors. Voilà le pont. On est un peu plus près. Ouais. Il y a du boulot. Il faut continuer. Alors, déjà, on va récupérer un peu le matos. Hop. Je crois qu'il y a une petite scène là. Ellie. Merci. Ouais, c'est vrai. Mais certains choisissaient de ne pas manger. Et pourquoi ça? Pour l'apparence. C'est débile. Ouais. Bon, elle est pas si maigre que ça. Hein. Okay, c'est un canon. C'est... Alors, tac, tac, tac. Il n'y a pas un petit truc là. Voilà. Hop, hop. Allez, ben. Regardez-moi ce paysage. Alors, c'est clair que c'est sûr. C'est pas le plus beau paysage que vous avez sûrement vu. Mais en termes de graphisme, c'est vraiment pas mal du tout. De toute manière, le jeu, c'est. On sait qu'il est bien. Voilà. Déjà, quand vous achetez Last of Us sur PS5, déjà, vous savez qu'il est bon. Voilà. Il est très bon. Il est c'est... Voilà. Vous savez que le jeu, vous allez vous régaler. Ensuite, vous savez que c'est un remake. Logiquement, les remakes, c'est encore plus beau. C'est pour ça que. Tu m'aides à monter, je peux déplacer cette planche. Le fait de le refaire, c'est déjà ben, un choix de Shadow. Et en plus, tôt ou tard, je l'aurais refait ce jeu. C'est obligé. Hein. Je l'aime trop pour. Pour ne plus le refaire. Si vous avez bien entendu, il y a un mec qui a dit cours, une fille qui a crié, et puis il y a eu des balles. Enfin, des tirs, quoi. Pas des balles, ça veut rien dire. Alors. Non. C'était quoi ce bruit? Monte, on passe par l'hôtel. Ok. Allez, ça c'est bon. Cale cette planche comme eux. Ah oh merde, j'ai voulu tricher mais j'ai pas pu. Alors. Il te reste plus qu'à trouver un moyen de monter. Exactement. Et je vous avoue que pour le moment, je m'en souviens plus. Un peu. Alors, par où il faut passer déjà là? Bon, de toute façon, ça doit pas être très compliqué. Ah oui, je crois que je sais. Y a pas un truc là? Attendez. Non.
de l'autre côté. Vous me croyez si je vous dis que je sais plus par où il faut passer ? Bon, ça me permet de voir à quel point le jeu est beau. Donc dedans, il n'y a rien, on est d'accord. Ah, voilà, c'est ce qui me semblait. Ok. Alors, nous voici dedans. Et bah après, même si le jeu, je l'adore, j'avoue que des fois, il y a des petits... Des petits trucs que j'ai oublié. Dans les cafés. Et comment? J'y passais mon temps. Et tu prenais quoi? Bah, du café. Des fois, il y a des doublages bizarres quand même. Alors, tac, tac, tac. Bon, mais ça, on va le laisser. Qu'est-ce qu'il y a là en trop? Oh, bouteille. Je pense qu'ici... Hop, donc là c'est condamné. Non, c'est pas condamné à l'étage. Ah si, condamné. Hop. On fouille pour le fun. Mais jamais... Uniquement pour le fun. Toujours des petits trucs. Voilà. Et on a récupéré un document. Allez. Cette fois-ci, on va rejoindre Ali. Et on fait aller à l'hôtel. Les chasseurs sont partis. Ah là là là, quand je vois ça. Tous les jeux PS5 devraient être aussi beaux maintenant. Et pourtant, on est loin de ça. Les jeux PS5 pour l'instant que j'ai vu, hein, parce que bon, j'en ai c'est pas. Bon, allez, descends. J'en ai pas joué à beaucoup d'entre eux. Mais il faut avouer quand même que c'est des jeux PS4. Hein. Non. Non, j'en avais pas les moyens. Oh, ça devait être chouette. Donc là, vous avez vu qu'il y a un coffre, il y a une combinaison. Je sais plus voler, mais on va essayer de la trouver. Un petit peu. Bon. Tac, tac, tac. Allez. Et il y a quoi que je récupère pas là? Ok. La bouteille. Donc là, de mémoire, il faut trouver une échelle. Elle doit être par terre ou je sais plus où. Échelle, 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 où tu es. Alors. Elle est où l'échelle? J'aime bien regarder ce que fait Ellie. Je trouve qu'elle a un comportement vraiment humain, quoi. Voilà, donc là, il y a la fameuse combinaison à mettre. Bon, pour moi, on ne connaît pas, je ne peux pas l'inventer. Je voudrais une chambre pour la nuit, et donnez-moi votre plus belle suite, s'il vous plaît. Ok.
Qu'est-ce que tu racontes? Mais bien sûr, montez donc mes bagages. C'est vraiment bizarre. Ah, c'est un enfant. Hein. Bon, alors, tourne en rond là. Tac, tac, tac. Là, on peut pas passer, on est d'accord. Voilà. Ouais, c'est le passage du jeu, j'avoue que... Je me souviens des grandes lignes, mais... Ah. Ouais, ils me font grimper là, mais pour rien, en fait. Bon, je voulais juste voir pourquoi on peut grimper là. Allez. Bizarre. Toujours espoir qu'ils aient rajouté un petit peu des trucs, des bêtises. Hein. Moi, je prends tout. Hein. Vas-y, monte. J'aurais été content même qu'ils rajoutent des choses. Fais attention. Voilà, je crois qu'on continue le jeu. C'est pas exactement ce que je veux. Alors, hop. J'aimerais bien ouvrir le coffre. Voilà. 22, 10, 56. Bon, je vais y aller, sinon je vais oublier, je me connais. Et 56. Bon, ils ont pas voulu compliquer le truc. Hein. Voilà, ils ont pas fait les gauches, les droites. Voilà. Alors, nouveau livre, renforcement. Voilà, pour augmenter la durée de vie des surins. Et là, on prend tout ce qu'on peut. Alors, les gélules que nous avons. 55, on va augmenter la santé maximale. Voilà. Allez, on va reprendre l'échelle. On va jeter un dernier, mais dernier petit coup d'œil à droite. Normalement, il ne devrait plus rien avoir de particulier. Et puis ensuite, on va passer à gauche le chemin principal. Et là, il va y avoir de l'action. Beaucoup d'action. Voilà, donc ici c'est bon. Voilà, il n'y a rien. Allez, c'était pour en être sûr. Ah là là là, ce Last of Us, putain. Il y a des jeux comme ça, c'est, ils sont... Pourtant, c'est pas des RPG, hein. Moi je sais, bon après... J'ai pris beaucoup, 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 beaucoup de plaisir à faire le Resident Evil 2 Remake. Un petit peu moins pour le Resident Evil 3 Remake, mais j'ai passé un bon moment aussi. Il y a des jeux comme ça que vous pouvez refaire sans problème. Merde, baisse-toi, baisse-toi. Bon, on va essayer de bien jouer. Mais ça va être dur, hein, parce qu'ils sont nombreux. J'en doute pas. C'est fini? Il y a un dernier étage à fouiller. Pourquoi faire? On n'en voit plus des claqueurs. C'est parce qu'on fait gaffe, et on va continuer à faire gaffe. Bon, finissons-en, ok? Bon, peu importe. Bon, on n'a pas le temps, là. J'ai une vidéo à faire, moi. Alors, évidemment, j'aurais pu la tirer derrière le meuble. Ça aurait été plus intelligent de ma part. Je pourrais fouiller un peu plus tard, ça serait davantage intelligent. Bon, alors on va essayer de jouer comme je joue en réaliste, c'est-à-dire sans trop utiliser. C'était chaud. Pour ça que quand je vais dans une direction, j'y vais, mais pas franchement.
Bon après, honnêtement, si ça part en... Bah si ça part en couille, tout simplement. On se défendra. Hein. C'est pas un problème. Et ça risque de partir en couille, vu la vitesse à laquelle je bouge. Je bouge trop vite. Bon. Bon, après, pour être honnête, j'ai voulu faire... Enfin, aller assez vite, parce que le premier ennemi, je l'ai tué, mais je l'ai mal tué. J'aurais dû l'attirer derrière le meuble, une fois que je l'ai attrapé. Et le fait de ne pas avoir fait ça... Il y a un de ses potes qui aurait pu le voir en traversant le couloir. Bon, on dirait que derrière c'est réglé. Bon, on va attendre que lui. Ouais, il est là-bas. Je pourrais y aller, hein. Bon, si je me fais surprendre. Bon. Ici, il n'y a plus rien. Bon, il y a pas mal de soins. Bon, ça, c'est... Ouais, ça va, c'est calme. Non, pas le molotov, faut pas abuser. Alors, soit je passe par là, soit je passe par en bas. Je vais quand même passer par en bas. Alors peut-être, mais bon, je pense que vous le savez. Si vous possédez une arme dans la main et que vous faites voir par un ennemi, il sera ultra agressif. Normal. Mais si ce n'est pas une arme, si vous avez par exemple une bouteille, il le sera un peu moins. Bon. Allez, hein, quand faut y aller, faut y aller, hein. C'est lui que je cherchais. Putain. Tac, tac, tac. RS. Est-ce qu'il y a encore un ennemi en bas? Je serais tenté de vous dire oui. Alors, brouillard de guerre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Juste là, regarde. D'accord. Vous avez vu, j'avais pas l'arme dans la main. Bon, je me suis fait repérer. Techniquement, ça change pas grand-chose. Hein.
Ouais. Alors. Bah, ça met un peu d'action. C'est bien beau de les prendre un par un, mais. En mode réaliste, ok. En mode normal. Alors, on va s'occuper de lui là-bas. Vous voyez qu'ils sont beaucoup plus méfiants, les mecs. Hein. Merde. Gauche ou droite? Putain, je l'ai perdu de vue. Ah. Voilà. Bon, nickel. T'es discret, toi. Alors, je suis pas beaucoup, hein, mais alors, toi, tu es vraiment. T'es. Si vous vous demandez pourquoi je suis revenu, voilà, c'est ça que je cherchais. Tu m'as fait une feinte de corps là, je m'y attendais pas. Donc là, c'est pas des ennemis qui se sont rajoutés, hein. C'est des ennemis qui étaient à l'étage. Qui sont descendus. Donc d'un côté c'est pas plus mal, parce que comme vous avez pu le voir en haut, ils ont fait une espèce de barricade de fauteuils. Du coup, pour atteindre le haut, c'est pas forcément évident. Bon, on peut passer par là aussi, hein. Ici, il y a une pierre au cas où. Hop. C'est pas là qu'il y avait une scène? Non. Non, c'est pas là. Une baignoire où il y a plein de cadavres et il y a une petite scène avec Ellie. Je crois que c'était une PlayStation. Je le vois dans la chambre. Bon. Alors. Faire le tour. C'est l'autre, il a balancé notre position. Allez, putain, je veux. Voilà. Je vais faire les bouteilles. Bon, bah, je crois qu'on peut y aller là. Ellie n'a même plus l'air stressée. Je crois que c'est réglé, hein.
SJTP. Toc. Voilà. Vous avez vu, c'est un peu barricadé là. C'est pour ça que, d'un côté, le fait de les avoir un petit peu éliminés tour à tour. Ah, il était pas con celui-là. Hein. Même pas totalement hein, en tout cas. Indirectement, on est en train de montrer les ficelles du métier à Ellie. Bon. Il y a potentiellement un mec encore. Allez. Poursuivons. S'il y en a minimum un, il peut y en avoir un deuxième. J'ai toujours en plus un coup d'œil s'il n'y a rien à récupérer. Joël, là. Alors lui, je l'ai pas tué de suite. Parce que s'ils étaient... Oh putain, Ellie, tu vas nous gêner. Ah, quand même. Ah, moi, je suis calme. Hein. Qui, là? Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un truc bouger. Personne. Allez. Toi, tu vas voir ton... Pas faire de conneries, tu vas... ton pote. Ouais, ça c'est bon. Ah. Voilà, ça fait beaucoup d'heures. On m'a pas touché pour l'instant. Alors, je savais que tu allais revenir. Choisis, tu veux mourir à droite ou à gauche ? Ah, vous avez vu, il a fait une attaque coup de genou, logiquement. Oh putain. Attrapez-les dans le couloir. Ouais. Je sais pas. Mais énervé lui. C'est surtout que j'ai vu qu'on en avait gagné un là. Alors, qui c'est qui tire plus vite que l'autre? T'as raison. Moi, pendant ce temps, je vais récupérer... Voilà, le molotov que j'ai usé. Sinon, évidemment, je ne l'aurais pas usé. Putain, Ellie, tu m'as fait peur, là. Sure.
Et le fait qu'il le tue avec une animation différente de d'habitude, j'étais persuadé qu'il n'y avait plus d'ennemis. Mais vraiment. Bon, à un moment donné. Faudrait qu'ils arrêtent un peu d'en mettre là. Ah, il y avait un truc. Ah, je prends la petite bouteille. Tac. Voilà, bon là c'est fini. Bon, ouais. Putain, il y avait une chambre où il y avait une baignoire. Et dans cette baignoire, je suis sûr que c'est à cet étage. Il y avait pas mal de cadavres. Et il y a Joël qui dit à Ellie, tu devrais pas regarder ça. On est tout en haut. Hein. Bon, allez, on va pas trop. Sinon, moi je mets 100 ans pour chaque lieu. Ah, tellement je me régale. Alors, ben non, j'arrive plus à trouver cette putain de chambre. Bon, c'est pas important. Hein. Bah, je croyais que c'était là. Mais c'est pas celle-là. Ah, attends, peut-être. Non. Ellie, où es-tu? Oh, ah. Flippant. Voilà. Qui sont allés au plus facile. Putain. Non, ça n'a rien de facile. Ça va bien quand même. Je voulais juste éviter qu'un claqueur ou un chasseur le fasse à leur place. Ça n'a rien de facile. Crois-moi. Bon. Voilà. C'est la petite scène que je voulais vous montrer. Allez. Je crois que c'est de l'autre côté. Là, ils sont tous morts. Normalement. Putain, mais qu'est-ce qu'il y en a des cadavres? Alors, toc toc toc. Est-ce que je reviens en arrière là ou je suis au bon endroit? Je crois que je reviens en arrière. Parce que j'ai vu l'inscription ST. SJTP à droite. Ok. Escalier à gauche. Troisième étage. Élévateur à gauche. Escalier à gauche. Donc on va aller à gauche. Voilà. Donc c'est ici. Bon, mais ça s'est bien passé, on s'est pas fait toucher. Mais attendez, ce n'est pas encore fini. Ouh, ouais, c'est fini. On dirait qu'il y a une échelle dans cet ascenseur. Attends, je vais essayer de l'ouvrir. Allez. Bon, après, ah, c'est pas l'exploit du siècle, mais... Content quand même. Je vais vous proposer... Voyons où ça nous mène. Ce passage... En jambé, quoi. Ça va être serré, mais tant pis. Juste au cas où. Bon. Toujours la curiosité de savoir ce que le jeu nous propose si on fait pas ce qu'il veut. Ellie ? Ellie, je m'écarte. Ok. Trouve-moi un truc pour m'aider à grimper, ok? On y va. Allez. Putain, il y a des passages. Qu'est-ce qui va être horrible? Je vais bien! Toi, ça va? Non! Putain, tu m'as foutu les boules! Je vais descendre, d'accord? Non! Tu restes là-haut!
Je vais réussir à te rejoindre. Surtout prends pas de risques. J'espère. Ah, voici un des passages les plus... Un des passages, hein, pas le passage. Hein. Que je souffre le plus en mode réaliste. Oui, parce que quand je vous dis ça, c'est en mode réaliste. Hein. Après, ça veut pas dire que là, je vais y arriver tranquillou, mais... Tous ceux qui ont fait le jeu... doivent se douter... De quel passage je parle? Bon, j'explore, je m'amuse. Top, top. Voilà. Voilà. C'est fait. Alors, pour vous situer un petit peu ce qu'il va falloir qu'on fasse, faut qu'il arrive à contourner la grille. Bon, avant d'essayer de la contourner, il n'y a rien à récupérer. Bon, à première vue, non. Ok. Ok, toc toc toc. Voilà comment contourner la grille. Voilà. Bon. Toujours rien à récupérer, semblerait-il. Alors, gris contourné et passage de merde en vue. Ah, j'aime pas cet endroit. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. On va pas s'affoler. Surtout que ça fait 100 ans que je l'ai pas fait. Bon, ok. Alors. Logiquement, il n'y a pas d'ennemis pour l'instant. Enfin, pas dans mes souvenirs en tout cas. Ok, donc là. Là. Donc là, il y a deux choses à prendre en compte. Le fait... Je déteste ces trucs. ...qu'une carte magnétique soit nécessaire. Et... ...le fait... ...qu'il n'y ait pas d'électricité. Je... Il y a des ennemis. D'accord. Je savais pas qu'il y avait des ennemis au début. C'est peut-être un peu trop exploré. D'accord. Ou alors peut-être que c'est dans la version remake. Bon.
tous les cas. Bon, donc il faut que je trouve la carte. La carte, c'était dans une sorte de bureau. Pas ici. Bon. La carte, c'est bon. Bon. Ok. Donc, il va falloir remettre l'électricité. Évidemment, on va nous emmerder pendant qu'on va la remettre. D'accord, on nous a pas emmerdé. Je pense que c'est parce que j'ai tué tout le monde. Allez, maintenant, c'est le moment de se casser. Et là... Tu vas me laisser me casser tranquille. Allez, 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 c'est le moment de partir, là. D'accord. Alors, tout ne s'est pas passé comme j'ai eu l'habitude que ça se passe. Foncez dessus et vous rentrez. Bon, bah, je sais pas, là, on va dire que ça a été abrégé. Mais c'est passé. C'est dommage que le dernier ennemi nous ait un peu touché, sinon on aurait pu faire un perfect. C'est frustrant, mais bon, on va pas non plus trop en demander. Il y a du soin en pagaille en général. J'aime les tiroirs vides, c'est mon petit kiff ça. Oh, on peut améliorer, bon, j'ai rien de spécial à améliorer. Bon, il n'y a plus de soins maintenant. Alors soit ils te mettent 14 soins d'affilée, soit il n'y a plus de soins. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez. Oui, je crois qu'il y a du soin là. Dans la salle. D'accord, j'avais oublié ça. Ah ouais, voilà. Je l'ai eu. Bien joué. Tu t'es fait mordre? Pas aujourd'hui. Et toi? Pas aujourd'hui. C'est question à la co. Ok. On se sépare. Et on s'assure d'avoir loupé aucun de ces enfoirés. Allez, séparez-vous. Mais il y a du soin dans la salle, je crois, au fond, à droite. Sur une table. Tous de me calmer, mais je suis pas énervé. Alors, toc. Hop. Je me rappelle pas de cette salle. Bon, je me rappelle pas de tous les petits détails, mais... Il y a des salles comme ça. Ah ouais, non, j'ai vu un document tout à l'heure. Ça m'a intrigué. Ah non, ah merde, si, il a vu. Je pourrais le flinguer. Un mort.
On se déploie. Ouais, j'ai entendu le bruit d'un cocktail Molotov. J'ai pas joué au con. Alors logiquement, là, j'ai pas très bien joué. Hein. J'aurais dû le tuer de façon à ce qu'il ne le remarque pas. Et tuer le deuxième discrètement. Mais bon, au moins ça va mettre un peu d'animation. Alors, ils sont encore un ou deux. Mais où sont-ils ? Je te tiens. Allez, tiens-moi. Il était ? Espèce de haine ? Ah ouais, je m'y attendais pas. Béjo à lui. Comme il a faussé vite. Ah ouais, bravo. Tu m'as fait passer pour un âne, non? Du coup, je vais devoir me venger sur ton pote. Pas du swim par là? Non, non. Non, bon, je sais pas pourquoi j'avais cette idée du swim ici. Ouais. Putain, hein, j'en reviens pas comme il a sauté. Enfin, il a pas sauté, il a couru comme un psychopathe. Ah, bravo lui, je dois avouer que je me suis laissé surprendre. Et là on va assister à un tournant de l'histoire d'Eli. Oh merde. Elle va pas réfléchir. Merde. J'ai vraiment pas loupé ce type. Ah, t'es, c'est clair. Non, tu m'étonnes. Je vais vomir. Pourquoi t'es pas resté en retrait comme je te l'avais dit? T'es content que je l'ai pas fait, non? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi? Non. Je m'attendais à... Hé, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël? Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Bon. Alors là, on va assister... Il y a de l'eau dans le gaz, on va dire. Bon. Il n'y a plus d'ennemis, hein, de toute façon. D'ailleurs, je crois qu'elle va avancer, mais en tirant un peu les pieds, là. Non ? Ouais, bof. Alors, tac, tac, tac. Allez, on y va, mais vraiment pour vous. Voilà.
Je suis encore sur le mec qui a accéléré et qui m'a explosé la figure. Quel enfoiré celui-là, alors. Bien joué à lui, hein. Allez. Toc, toc, toc. On doit retourner dehors. Faut trouver ce pont. Dis-moi juste où aller. Oh, j'ai horreur de ça. À quelqu'un qui fait la gueule comme ça, c'est chaud, hein. Bon, après, il peut s'en prendre un peu à lui-même, hein, parce que... D'accord, il y a un surin dans les toilettes. Toc, 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 toc... Bon. Mais pas des cent et des mille à récupérer, mais... Allez, amélioration des armes de mêlée. Ah ouais, merde, ça c'est la suite. Elle avance, mais doucement, doucement. Juste, je regarde là, petit tour rapide. On joue le jeu. Putain, il y a beaucoup de balles. Je n'utilise pas énormément. Ouais, je me mets un petit peu des limites, mais on essaye quand même d'avancer sans trop utiliser le flingue. Il y en a qui devait être un bon repas là. Ah, attends. C'est une toile de fond. Avant, les gens se faisaient prendre en photo devant. Ouais, je sais ce que c'est. Bon, alors. Dis-moi ce qui va pas, Ellie. Je voulais pas te désobéir tout à l'heure. C'est juste que tu mettais vraiment beaucoup de temps, et je me suis dit... qu'il t'était peut-être arrivé un truc. Peu importe ce que tu croyais, il faut à tout prix que tu obéisses. Je sais, c'est juste que... Bon, laisse tomber. Oh, on a crevé l'abcès. On a discuté, on n'est pas tombé d'accord, mais on a dit ce qu'on pensait. Je trouve que c'est une bonne chose. T'es sur moi? Ellie. Pousse! C'est ce que je fais! Pousse plus fort! Là, ça te va? On y va. Toujours ces petits... Bon, après, elle est jeune aussi, hein. C'est pour ça que... Caractère bien trempé. Alors, c'est là qu'il me semble qu'il y avait du soin. Bon, alors, je suis fou, moi. Je suis fou. Putain, mais... Des fois, hein. Je me rappelle de trucs. Bon, c'est pas grave. Bon, c'est bien, toutes les assiettes sont vides. Hein. Alors, soit ils ont pas eu le temps de se servir, soit ils ont eu le temps de finir. Allez, bon, ben on va... pas tarder à s'arrêter là, je vois le minuteur qui vient d'apparaître, putain ça fait déjà presque une heure que je joue et que je vous propose. Oh putain, bon ben voilà, je crois que cet endroit marquera bien la fin de cette vidéo, parce que dans le prochain endroit ça va être très très chaud. Et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment.
Encore une fois, je joue pas pour vous faire découvrir le jeu. Je joue pour vous le remémorer. Et vous donner envie de le refaire, tout simplement. Quand je vous propose un jeu qu'on connaît ou qui est sorti depuis 100 ans, mon but, c'est vraiment de vous donner envie de le refaire et de vous dire, putain, c'est vrai qu'un bon Last of Us, là, je serais chaud. Et moi, c'est vrai que c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Quand j'ai vu qu'il ressortait un remake, j'ai dit, putain, c'est vrai que ça me donne presque envie de le refaire. Du coup, je me suis dit, je vais pas le refaire sur PS4. Je vais laisser un peu le temps, pas de l'oublier, mais un petit peu du temps au temps. De façon à ce que, si un jour j'ai la possibilité de faire la version PS5, ben, je prendrai davantage de plaisir. Et c'est ce qui est arrivé grâce à Shadow 2009. Merci à lui une fois de plus. Et merci à vous, hein, parce que bon, ben, c'est un peu aussi grâce à vous que tout ceci arrive. Le fait de vous proposer des jeux, de les découvrir ou redécouvrir en votre compagnie, me permet également d'y jouer, donc c'est vraiment cool. Voilà, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Encore une fois, merci, on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, portez-vous bien. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.